Le capteur de pression absolue est un composant crucial dans le système de gestion du moteur de votre voiture. Il mesure la pression de l'air aspiré par le moteur et fournit des informations vitales au calculateur du moteur. Ces informations sont utilisées pour réguler la quantité d'air et de carburant qui est injectée dans le moteur, ce qui garantit un fonctionnement efficace et économique. Dans cette vidéo, nous allons vous donner sa position sur le véhicule, les causes de sa défectuosité et les méthodes pour le tester. Rôle. Le capteur de pression absolue est également connu sous le nom de capteur MAP, Manifold Absolute Pressure. Il mesure la pression de l'air à l'intérieur du clôtur d'admission du moteur. Cette information est utilisée par le calculateur du moteur pour déterminer la quantité d'air nécessaire pour assurer une combustion optimale du carburant. Position sur le véhicule. Le capteur MAP est généralement situé à l'intérieur du collecteur d'admission, près du corps du papillon. Dans certains cas, il peut être monté à l'extérieur du collecteur, sur le collecteur lui-même ou sur une conduite d'admission. Cause de défectuosité. Le capteur MAP peut devenir défectueux pour diverses raisons, notamment une exposition prolongée à des températures extrêmes, des vibrations excessives, une usure normale ou une contamination par des dépôts de carburant d'huile ou de saleté. Les symptômes d'un capteur MAP défectueux incluent des problèmes de démarrage, une accélération lente, une surconsommation de carburant, une diminution de la puissance et une augmentation des émissions. Moyen pour le contrôler et le tester. Le moyen le plus simple de tester le capteur MAP consiste à utiliser un multimètre pour vérifier la tension de sortie. Vous pouvez également effectuer un test de vide en utilisant un outil spécialisé pour mesurer la pression dans le collecteur d'admission. Si le capteur est défectueux, il doit être remplacé. En conclusion, le capteur de pression absolue est un composant vital dans le système de gestion du moteur de votre voiture. Il est important de surveiller régulièrement son état et de le remplacer en cas de défaillance afin de maintenir la performance et l'efficacité de votre véhicule. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu pour nous encourager.